Bonjour, enchanté. Trois paramètres à prendre en considération immédiatement. De 1, j'ai envie de faire caca. Lui aussi. De 2, il fait 1 degré. De 3, il y a le spark. Il y a un petit quatrième pour la forme. On est au Red Viking. Le D+, c'est pas des loges, si tu veux. On y va. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. Hier, soirée banale. Avec tes tessions, buvait de la bière. Prévu, je suis normal et j'ai rien fait, monsieur le commissaire. Enfin bordel, j'ai pas commencé que je suis déjà en train de me... La vérité, c'est qu'à la base, je m'étais motivé pour faire le 36 km, mais je me suis aperçu ce matin que le 36 km, c'était 950 D+. 950 D+, ça pique un peu, donc je me rabats sur le 25, qui lui s'annonce un 600. Voilà, hein. En plus, on a un timing, il faut pas rentrer trop tard. Benoît est en élec, mais je vais donner, hein. Alors, je suis choqué, en fait. Je m'aperçois que ça fait très longtemps que je suis pas monté sur le Spark, trop longtemps en tout cas, et tout me semble bizarre. Objectif, ne pas se perdre. Attends, juste le grand là devant, pour le kiff. Excusez-moi, à droite. Oula. Juste pour le dire au moins une fois dans ma vie vers toi. C'était juste pour le kiff. Ah, vous pouvez passer devant, ouais, ça va, ça va. Lui, c'est une machine, hein. Allez, position racing. Enfin, ce qui me fait peur, c'est que ça reste assez roulant. Bon, on a fait 3-4 km, enfin 3, je ne sais même pas, peut-être 2 même. Mais ça veut dire que le D+, il va être concentré. Tu vois, toi, enlève-moi ce sourire. Enlève-moi ce sourire en tout fait, de suite, Tog. Je me retrouve pour la première fois de ma vie dans une position différente d'avant. Yes. Merci, ah, je suis clarté. Il y a des ornières, en fait. Le chemin, il est à droite, c'est pour ça que ça roule mal. On est dans le champ. Là, je sais pas. On s'est trompé, mais j'ai failli me boiter là. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de garder une moyenne sympa. Alors, on est à 6 km. Et pour l'instant, la moyenne affiche 17. C'est pas mal du tout. Bon, il y a des ornières et des cailloux là, tu les vois pas, mais bon, je suis pas bien, je suis pas bien. C'est je chiale. T'as le soleil qui te fait des appels de phare là. Est-ce que je trouve plein d'excuses? Ouais, peut-être bien. Ah mais merde, attends, mes suspensions sont pas ouvertes. Oh bah ouais, tout de suite, ça m'emmerde. Hein. Ouais, c'était... Ça, c'est le genre de chemin. Parce que je la goûte. Ça, c'est le genre de chemin, mon gars, tu peux tracer comme un enfoiré dedans, mais tellement de pièges, tellement de pièges. Oh, puis je chiale, c'est chiant. Oh. Oh là là, les gros cailloux qui te stoppent. Merde, c'est de l'autre côté. J'ai deux canards devant moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est des quoi? C'est des Bernards. Ça va Bernard? Non, 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 pas des Bernards. Salut les gars. C'est superbe ici. C'est quand même joli, hein. Allez, c'est parti pour la première ascension. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller voir ma gueule maintenant, là, après que je sois arrivé en haut. Bon, bah, je suis des barres, hein, qu'est-ce que tu veux. Sur la 12e. Ah, c'est vachement dur. Ah, c'est mort. T'es en train de juger là? C'est ça non? T'es en train de juger là? La vache! Bon, je le savais hein. Mais là, ça monte plus là. Là, c'est au moins du 18%. Et c'est pour ça, quand je fais pas le 36 avec le 900 D+, parce que toutes les côtes,
sévère comme celle-là, ben, je suis comme un con à côté de mon vélo. Ah mais tu vois ça? Tu prenais une photo? Du coup je me suis senti obligé de pédaler. Ah ouais, j'ai pas pris donc vous êtes arrêté. J'ai fait exprès. T'as pas une autre question? Non, ça va, ça va. Quoi? Elle est à droite. Et ben là, c'est fini. Là, on est là où on a démarré. Comment ça? Ben, c'est là où on a démarré. Oui, un truc chelou, c'est qu'on là, on a au départ, en fait. On a suivi les flèches de ouf, pourtant. Ouais, ouais. Bon, on vient de comprendre l'erreur. Tu vois, à un moment donné, on arrive sur l'eau. Je crois que ça a été filmé, donc à ce moment-là. Merde, c'est de l'autre côté. J'ai deux canards devant moi, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est des Bernards. C'est des quoi? C'est des Bernards. Ça va Bernard? Non, c'est des Bernards. Salut les gars. Eh ben nous on est parti à droite parce qu'on a vu une flèche à droite en fait, et on s'est pas posé de questions, on a vu la flèche au loin, on l'a suivi. Mais a priori, à ce moment-là, il fallait partir à gauche, le ravito était juste là pour faire une autre boucle. Voilà, du coup on s'est fait niquer, et on a loupé le ravito. On a loupé une boucle, on a fait 15 km, on doit avoir 200 D+, et l'idée c'est que là on a fait... Allez, c'est pas juste un kilomètre derrière nous le truc, c'est la moitié de la boucle, donc si on retourne en arrière, on se rebouffe 7-8 km gratos, et on se rebouffe la pente, et puis du coup, voilà, ça fait chier, tu vois, mentalement c'est plus cool. Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on est bien là, tu vois, on a rien fait. Ouais, non, mais... Bon, mitigé. On va pas retourner en bas. Toi, la côte là où j'ai chié dedans, ça veut dire qu'il faut la redescendre et puis on va pas redescendre en croisant tous les autres VTTistes qui vont dans le sens inverse. C'est pas possible. Ou alors faut descendre à la route. Donc, en fait, ce qui est con, c'est que le départ arrivé est là. Nous, la bifurcation qu'on a loupée, elle est là. Donc on peut redescendre par la route pour faire la boucle ici et remonter par la route, mais voilà, ça fait chier en fait. Ok, j'ai une idée. Là, ils sont tous nés, on peut aller. On prend la bagnole. On se gare près de l'écluse. On se gare en bas. Et on fait la boucle. On fait la boucle. La on finit par ravitaillement et. Oh putain, oh la bonne idée. Oh, je suis un génie. Bon, on va essayer de faire la dernière boucle. S'il arrive à sortir du parking. Elle rigole pas. Parce que là, ça patine. Je patine de ouf, mec. Panique? Bah ça patine, ça avance pas. Ils sont quatre. Oh, et ses gants. Toi, tu fais rire, toi t'es pareil que moi à côté là. Et quoi, j'ai une tête de con aussi. Attends, ça va ou quoi? Bah, c'est la meilleure option pour de vrai. Ouais, on va essayer, On a raté une bifurcation, on va la rechoper, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait un peu escroc, mais c'est soit ça ou soit... voilà, ok. Quoi? T'es encore en train de juger? T'es encore en train de juger? Bon bah, c'est reparti. On a l'impression de recommencer à zéro quand même. Ah bah, dedans, c'est mérité. Hein. Ah, c'est pour les paillettes. Hein. Cookie direct. C'est bon? Ce qui fait peur, c'est que selon nos estimations, il nous reste 400 D plus. Mais 400 D sur 10 km, ça chie. Ouais. Dans la merde. Ouais. Bah écoute, j'ai vécu des moments plus agréables. Ouais, c'est ça, je suis pas dans le... Voilà, nickel, merci. Ces côtes-là, je les préfère. Elles sont longues, mais elles sont faisables. Oh Dieu!
Ah, ça va, c'est bon, allez, écoute, ça va, elle est placée correctement. Bon, allez, moi je vais reprendre mes copains. Yes. Bonne balade. Ça aille bien. Ouais. Probablement, on verra. Bah parce que bah tu verras la vidéo, tu comprendras pourquoi je dis ça. Quand tu verras, tu comprendras. Ouais. Ouais, c'est mort. Allez. Allez. Ouah. C'est chaud là quand même hein. Ouais. Hein. Ah non. Je fais pas le mal, hein, je te le dis. Je suis content pour l'instant, c'est. Enfin, c'est monter à pied, à... c'est monter à vélo. Mais il y a un petit mec derrière moi qui s'appelle Nono. Il y a son père qui est en train de l'encourager de fou, avec plein de conseils. Ce jour, j'ai l'impression que c'est moi, Nono. Je sais pas combien de fois t'as vu ma gueule en PLS. Tiens, regardez qui c'est qui est là. Hey Jeff. Regardez, c'est Olivier. Alors. Bon, cet homme-là, messieurs, dames, tiens le magasin Optique Chromag à Bouge. Et s'il est. Donc, nom de Dieu, vas-y, merde, t'as moins 10%. Allez, 20. Tu blagues. Je blague pas aujourd'hui. Ok, bon, alors pour les prochains est-ce qui viennent chez lui. Ok, oh putain, c'est bon ça. C'est bon, ça, non. 20% si tu vas chez lui, fin d'année, à Bouge. T'as le lien dans ma description. Va le voir, merde, 20% surtout, au clé, Jules Beau, ouais. Lunettes de sport, soleil, lunettes de sport, lunettes de vue. Ouais, allez, on va faire surtout. Allez, à la fin d'année, soyons fous. Ça va que c'est le patron, tu sais. Ouais, merci beaucoup. Au plaisir. Elle ouais. Pique, hein bon. Ah, hey, j'ai vraiment besoin de te répondre. Un peu chaud, là, hein. Eh, ça va, hein. On voit rien. J'ai la selle dans les couilles, hein. Tu veux passer? Vas-y, vas-y. Faut garder le rythme là-dedans, tu vois. Ouah. Ça fait mal, hein. Il a été bien, là, ça. Ouais, j'étais en PLS, franchement, j'étais pas à l'aise. Je vais pas faire le mec qui était à l'aise là-dedans. C'était faux. Allez. Ouais, j'ai mis du frein là. Ah, le méchant. J'ai vraiment mis du frein. T'es obligé de mettre du frein, attends. Ah, ouais. Sors aussi long. Toi, t'as bien tracé, salaud, hein, la vache. Je la connais bien. Le méchant, quand même. Ah, ça va, il la connaît bien. C'est là qu'on est chez toi, là. Ça me rassure. Non, j'étais pas bien. Puis quand tu vois, en plus, quand tu vois tous les autres un peu galérer, tu dis oulala. Ouais. Puis avec les feuilles, c'est quand même fort. Ouais. Avec les cailloux, ça va échouer direct. C'est pas le plus simple ici. Je me pose, je reprends un peu le souffle et j'y retourne. J'essaie de pas trop marcher. Mais là, c'est tellement chaud. Aïe, je suis au stade où j'ai envie de râler. Là, j'ai dur. C'est dur parce que les côtes sont vraiment très longues ici. Donc c'est voilà. Ouais. Regardez bien, je suis en train de râler déjà là. Ah, il est en musculé. Ça va? Ça va. Ah ouais, bah tiens. Bien tes vidéos, hein. J'ai regardé un peu, c'est chouette. Ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Ça tue le moral, c'est tellement long. Heureusement que j'ai pas fait les 37. Enchanté de votre connaissance. Je vous suis depuis un moment. Actuellement, je suis pas très enchanté là. Là, je me suis arrêté au moins 3 fois dedans.
fallait prendre l'électrique aujourd'hui. Non. Attends, je le dis toujours, quand on a fait de l'électrique, on a plus. Ouais, c'est vrai. Mais... Tiens, regardez ce qu'il a là, ici, là, je l'ai pas capté ça. Ah, excellent. C'est quoi? C'est mon stickers. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oui. Même moi, je l'ai pas dans le vélo. Oui, je suis votre abonné depuis le premier jour. Et bien voilà, ben, pour une fois, tout ça sur une vidéo. Ah, depuis le premier jour. Bien, depuis le premier jour. C'est cool, ça fait 5 ans. Ouais. T'as, t'as vu ma barbe blanchir et tout, quoi. Et mon ventre grossir. Non, non, maigrir. Je suis à. Je vais couper, je te dis après à toi. Selon nos prévisions et notre sens de la rotation, qui, je le rappelle, est à un niveau éclaté au sol, normalement. C'est notre dernier, c'était la dernière montée et du coup là on se redirige tout droit vers, vers la bagnole en descendant. Ah mais oui on connaît ça. Ah, tu fais attention derrière. Bah moi aussi du coup. Ah, tu veux passer? Attends, excuse-moi. Attends, je suis engagé, pardon. T'as avec les feuilles, mon gars. Là, mon gars, tu vois absolument rien de ce qui se passe sous tes roues. Ça fait déjà pris, mais tellement plus vite déjà. Mais les feuilles, waouh quoi! Elles te dissimulaient des cailloux. Regarde, regarde, regarde ce qui est là. Alors là. Non, on est bon. C'est là Ben que je me dis qu'on a une très bonne idée de redescendre à bagnole. Ouais, j'étais pas trop chaud, mais maintenant je suis content de l'avoir fait. Ouais, t'étais pas chaud au départ pour de vrai. Quand on a dû recommencer, là j'étais un peu dégoûté, mais maintenant. Ouais. C'est bon. Là, ce qu'il leur reste aux gens, c'est remonter. Donc là, ils ont encore une montée à faire, mais que nous on a déjà faite finalement tout à l'heure. Normalement. Normalement, on a 2 bières gratuites. Il y a Mike qui nous a dit ça. Le problème, c'est que la balle, elle ne le sache pas encore. Il va falloir négocier sévère. Voilà, l'organisation nous offre ce qui est un saucisse bière. Merci les gars pour. En fait, c'est même pas trop de leur faute. Il y a un panneau qui s'est barré ou qui a été enlevé. Ils ont eu un peu de problème avec des gens qui ont défléché leur parcours. Voilà, ça arrive. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et t'inquiète pas que j'apprécie énormément ce petit geste. Benoît aussi l'apprécie, je pense. Hein. Parfait. On voulait mettre un visage sur Mike. Merci Mike, vraiment. Vraiment, grâce à lui, on est content, on est heureux. Je suis content qu'on ait pris la décision de continuer. Ouais, de continuer. Chouette, ouais. Et il fait bon, tout va bien. Parce qu'il n'aurait pas fallu beaucoup pour dire ouais, c'est bon. Surtout moi. À la semaine prochaine. Et puis n'oublie pas de t'abonner, t'as un clic de le faire. Merde! Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément, j'oublie.